que les racines de ces... Les situations qui font suite aux violences interethniques qui ont eu lieu au mois de fin décembre, les Nations Unies sont en train actuellement de lancer une opération massive d'urgence, humanitaire d'urgence, pour répondre à cette situation et notamment à Pibor, qui est l'un des endroits, un des villages qui ont été le plus touchés, vidés littéralement par ces violences interethniques. Donc, comme je pense vous le savez, il s'agit de violences entre tribus, la tribu des loups nuerlés et nuers, et la tribu des murlés qui s'accusent d'avoir volé le bétail et donc qui ont créé ces violences avec les villages qui se sont vidés et les personnes, la population qui s'est réfugiée dans le bush et souvent blessée et sans assistance. Les besoins sont importants, bien sûr, et on estime actuellement le nombre de personnes affectées par la violence à environ 50 000 dans cette région. Donc ce plan de réponse rapide donc, est en train d'être finalisé, et notamment par les groupes sectoriels de l'ONU, qui sont tous actuellement en train de travailler sur cette question. L'origine, c'est déjà... La mission des Nations Unies s'emploie à apporter le soutien.